Monsieur le Président, on a les JO ou on n'a pas les JO? Allez me chercher Gilbert, je l'attends dans ma suite. Tontal, ça se passe dans un lieu unique, qui est un hôtel international. Pour la petite histoire, mais il se trouve qu'on a tourné à l'hôtel Carlton de Lille. Mais c'est vraiment la petite histoire, c'est le hasard qui a fait que nous tournons dans cet hôtel qui est devenu tristement célèbre avec l'intervention d'un autre homme politique. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais c'était à Lille, dans l'hôtel Carlton. Et il ne s'est rien passé pour moi, d'autre que le tournage, je veux dire. Et je me suis rendu compte au cours de ma petite histoire que plus le cadre était finalement rigide et plus à l'intérieur, on pouvait créer des choses différentes. Et c'est pour ça que je suis assez partant, moi, des unités de lieu. Et sur cette histoire-là, où je me doutais que l'arborescence de la chose allait nous amener sur des terrains extrêmement nombreux, je ne voulais pas rajouter une dimension de temps qui allait être impossible. Parce que si en plus on tient compte du temps véritable, entre le moment où une ville demande les jeux et le moment où elle l'obtient, si tant est qu'elle va jusqu'au bout, c'est quoi? C'est 5-6 ans. C'est pour ça que je voulais à la fois que ça se passe dans un lieu unique et dans un temps précis. En l'occurrence, je pense que entre le moment où le président prend son bain et le moment où le film se termine, ça se passe, tout ça se passe en 4-5 heures.